La société actuelle. Et donc c'est une grosse transe puissante. Pendant toutes ces années, j'ai semé mes graines. Aujourd'hui, je viens récolter, j'avance comme un escargot. Des fois, ça me fait marrer, je vous explique vite ce fait. Mais quand t'es périmé, alors on te prend, on te jette. Des amoureux, des amours. J'ai dans mon champ, écoute le corps en poule. Que les artistes soient mis en valeur et que le public puisse se régaler dans de bonnes conditions, quoi. On passe sur le pont bascule. On est content ou on est moins content. Et après, on s'en va. Ben, le vin, vous savez, nous donne cette occasion. C'est pas parce qu'il y a de l'alcool dans le vin. Il y en a assez qu'on compare notre vin à de l'alcool. Le vin est un aliment. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser. À Narbonne, et au cœur de ce vignoble languedocien, nous sommes dans le plus grand vignoble du monde. Je crois que ça, il faut l'avoir en tête. Je ne suis pas trop pour une viticulture qui devient trop industrielle, moi. Nous avons un territoire minervois, les meilleurs vins du monde. Certes, on a un magnifique terroir. Qui est façonné avec les mains des femmes et des hommes. Un des premiers articles de la coopération qui dit « un homme, une voix ». Je pense que ça permet quand même de garder cette singularité à la viticulture française. Un programme qui permet de découvrir le Languedoc-Roussillon, sachant qu'on est une région où il y a une grosse diversité en termes de vins. De réunir dans tous les domaines toutes les compétences que nous avons dans notre région. Les élus sont engagés sur l'action économique, ils sont engagés sur l'action culturelle. Donc de ces deux mannes, on produit cette aventure. Votre pire ennemi est aujourd'hui votre conscience. De message bien déterminé, c'est-à-dire que c'est plus un travail d'ensemble qui est plutôt abstrait. Hostile. Des éléments musique et vidéo, voilà. Quel est donc ce livre que tu portes si précieusement ? Donc j'étais artiste, mais je suis aussi technicien aujourd'hui, donc... J'ai souhaité que l'artiste reprenne toute sa place dans des lieux publics ou des lieux professionnels. Un mirabelle dans le bois des Aulcières. Je me suis souvent trouvée seule dans le musée lapidaire. Ce que j'aime bien quand on lit, en fin de compte, c'est ça. C'est... Manet. Manet qui a été époustouflé par sa visite en Espagne. Certains pensent que j'aurais encore des enseignements à nous fournir. On découvre qu'il y a une personne qui s'est fait tuer ici. Et pouvoir, à travers les mots d'un auteur, en fin de compte, se créer aussi sa propre histoire par rapport à sa propre expérience. Théophile Gautier, sous le charme. C'est ce travail-là que j'essaye de rendre. Voilà ce que c'était que la famille de Montagne. Il y avait du respect et de la tendresse. Ouais. Un Mirabel, un Mirabel. C'est notre contemporain et on ne peut que trouver avantage à relire des textes Jaurès et à se situer un peu dans sa lignée. En attendant, j'ai publié d'elle sans illustration. Mon corps s'était perdu, mais mon cœur avait survécu.
c'est plutôt de travailler avec d'autres artistes. On ne naît pas seul. On n'est qu'une autre personne que l'on doit rencontrer pour s'épanouir. N'essaye pas de monter le coup à ton père. Et toi, va voir tes clovis, ouais, de bader là. Fiche pas le camp de là, va. Et là, en Méditerranée encore, on peut prendre un petit peu de temps dans des lieux comme ça, privilégiés. La mort exhala son haleine fétide pour me laisser un goût dégueulasse à la bouche. Il y a toutes sortes de publics. Il y a des jeunes, il y a des lycéens, il y a des gens dans la rue. Non, mais dans un verre, on ne peut mettre que 3/3. Mais imbécile, ça n'est pas dans la grosseur des tirs. Mais non, ça dépend pas. Comment ça, sanglier? Comment ça? Quand j'ai commencé à l'écrire, je ne connaissais pas le meurtrier de Samir. Pas une OCD sexuelle comme toi. Une OCD sexuelle, dis-je les accords. Une OCD sexuelle. L'enseignement est fait, au moins en maternelle, dans la langue occitane. C'est un petit peu ce qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises sous-traitantes du nucléaire. Ce pacte de confiance que nous allons essayer de vous présenter. Abdaïm, CPAM, les cadres coopératives, Veolia, Lucabot, Louis Signol, le syndicat des intermittents. Si vous étiez victime des essais nucléaires, mais nous voulons faire en sorte que la pression fiscale ne va pas plomber davantage tous les foyers qui sont aujourd'hui en difficulté. Le rassemblement d'aujourd'hui est fait pour faire pression auprès de ces gens-là. C'est une installation nucléaire. Quand vous dites le mot amour, eh bien, c'est pas un mot français, c'est un mot occitan. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que nos athlètes devront aller s'entraîner à l'étranger? Donc on organise un spectacle pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, le tourisme sexuel en général. Un collectif qui regrouperait un peu les artistes, ou du moins les acteurs culturels donc de Narbonne et donc de l'agglomération. Quelque part, il a réussi tout seul dans son coin. Un aménagement du territoire doit prendre en compte des creux d'aménagement. C'est ce qu'a fait le schéma régional. Pas pour être dans une réserve, pour vivre de ma transpiration, de mon travail. Si les galactons, les petits galactons ne m'ont pas galacté. Si les galactons, les petits galactons ne m'ont pas galacté. Si les galactons, les petits galactons ne m'ont pas galacté. Si les galactons, les petits galactons ne m'ont pas galacté. Du café en scène à Narbonne, au cœur d'un Languedoc-Roussillon vanté. Cœur du Languedoc-Roussillon, le café en scène à Narbonne reste mon quartier général. Du café en scène au cœur du Languedoc-Roussillon. Toujours au cœur du Languedoc-Roussillon. La semaine dernière, pour cette rubrique d'écran local, consacrée aux associales, je vous parlais de Narbonne. Depuis le musée de Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon. C'est depuis le cœur du Languedoc-Roussillon, à Narbonne, je me trouve dans les entrailles du Languedoc-Roussillon. Je me trouve à Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon. Je vous parle de Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon. Si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté.